CEST, une année 2022 qui s'achève péniblement pour Presnel Kimpembe, le défenseur du Paris Saint-Germain. Après une nouvelle désillusion en Ligue des Champions avec le club de la capitale, il a eu le malheur de se blesser juste avant la Coupe du Monde. Forfait, il a donc dû supporter les Bleus depuis les tribunaux Qatar et malheureusement pour lui, il n'est toujours pas revenu. Présent du côté de Lens ce dimanche 1er janvier, il a assisté impuissant à la première défaite de la saison de ses coéquipiers en championnat face à leur dauphin. Si le match en lui-même a beaucoup fait parler et notamment le comportement d'Achraf Hakimi, qui n'a pas hésité à défendre son grand copain Kylian Mbappé, la présence du défenseur de 27 ans a également fait réagir. Installé dans les tribunes, Presnel Kimpembe a choisi de changer radicalement de coupe de cheveux. S'il avait décidé de tout raser il y a quelques mois, ce coup-ci il a opté pour des tresses longues et on ne peut pas vraiment dire qu'il ait fait l'unanimité ce coup-ci. Comme souvent, les internautes s'en sont donnés à cœur joie sur Twitter, avec plusieurs commentaires désobligeants à son encontre. Il commence mal l'année lui, lance l'un d'eux, tandis que les comparaisons vont bon train, de Joey Star à son coéquipier Renato Sanchez, en passant par la chanteuse Rihanna. Pour d'autres, le père d'un enfant né grand prématuré a tout l'attirail du parfait rappeur, notamment pendant le match à Lens. Kimpembe, il est à deux doigts de sortir un album, La Dégaine de Fou, écrit un internaute, tandis qu'un dernier le compare au fameux Damon Wayans dans la série culte Ma Famille D'Abord.